sommes de retour. Ah, il fait encore nuit, ça va, Bob? Tout va bien? Ah, ok. Nous allons boire. Avant de commencer, j'étais en train de réfléchir à des mods. Et en ce moment, vu qu'il y a eu le wipe sur Escape from Tarkov, il y a beaucoup d'idées en fait qui viennent d'Escape from Tarkov, honnêtement, à chaque fois quand j'en parle. Mais c'est parce que le côté en fait gérer l'inventaire est très très bien fait dans le jeu. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, c'est ce qu'on... Non, nous on est là. Nous on est dans cette grotte là. Il y a la corde ici. Et à un moment, quand on était allé explorer la grotte de glace, on n'avait pas le sac de couchage, donc on a dû redescendre la corde, retourner ici pour récupérer le sac de couchage et remonter. Et j'étais en train de me dire, parce qu'on était fatigué, donc on a droppé, on a fait tomber de l'eau, tout ça, on a laissé de l'eau par terre, enfin en haut, pour descendre, comme ça on ne va pas au-dessus du poids. Mais le truc, c'est que ça serait bien de pouvoir, genre, laisser le sac par terre, je pense. Parce que, alors moi j'aime beaucoup hein, laisser les objets... comme ça et tout ça, ça permet de décorer, c'est vraiment bien ce système. Point de vue gameplay, point de vue esthétique, point de vue... Beaucoup de choses en fait, le fait d'avoir à chaque fois un objet comme ça, dissocié, qu'on peut les placer où on veut, et maintenant on peut même les faire tourner maintenant, avec le nouveau rajout. Donc vraiment bien. Mais je pense que des fois, faire tout tomber en bloc, genre laisser le sac par terre par exemple, ça pourrait être très très intelligent et très très intéressant. Par exemple, imaginons on est poursuivi par un loup et on est très lourd, et au lieu d'aller, je sais pas, genre faire ça vite, regarder ce qui est le plus lourd, hop, dropper, jeter, etc. Genre avoir une touche pour avoir un inventaire, par exemple si on va sur ça et là on aurait des cases en plus avec le symbole du sac. Hop, on balance le sac par terre et on court. Vous voyez ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Ça serait vraiment très très intéressant au niveau gameplay. J'ai pensé à ça, parce que c'est ce qu'on peut faire en fait dans Escape from Tarkov. On peut balancer notre sac, mettre des sacs dans des sacs, etc. Et vu qu'ils ont rajouté le poids en fait récemment, enfin il y a quelques mois maintenant, le système de poids, on peut plus trop transporter énormément de choses, donc les gens sont obligés de par exemple, de, enfin même moi, mais je préfère, c'est extrêmement bien, genre de prendre par exemple un sac, mettre genre 50 kg dedans, et bah après vous allez placer le sac quelque part, vous le déposez, comme ça vous êtes complètement léger pour aller combattre, après vous récupérez d'autres objets, vous revenez voir votre sac, vous mettez dans le sac, etc. etc. Vous voyez, vous gérez votre inventaire comme ça, qui est extrêmement réaliste, mais il est bien fait niveau... Niveau géré avec la souris, cliquer, tout ça, ça va très vite en fait une fois que vous êtes habitué. Donc c'est pas gênant, c'est pas embêtant ce système. Et je pense que The Long Dark pourrait avoir un gros changement en fait pour ça, et rendre l'inventaire beaucoup plus intéressant grâce à ça, je pense. Je pense que ça pourrait être sympa. Ou alors avoir le sac avec des... Pas comme ça, pas des tables en fait, où il y a différentes catégories, mais genre avoir un sac avec différents compartiments, et qu'on verrait les différents compartiments en fait du sac, et on pourrait tout dropper en fait sur un compartiment. Voilà, je sais pas, des trucs comme ça, ou alors différents sacs encore une fois, comme j'avais dit. Donc ouais. Enfin voilà, c'est des idées. Rappelez-vous, c'est moi qui ai eu l'idée, ok? Attention, me prenez pas les idées. Mais si vous voyez quand les mods sortiront un jour, si jamais ils sortent un jour, balancez des idées comme ça, genre de sac et tout ça, d'inventaire, ça peut être vraiment bien et des gens peuvent travailler dessus. Bon, tout ça pour dire, ça va faire quoi? Ça va faire 5 minutes que je parle. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, on va déjà attendre qu'il fasse jour. Et on va monter la grande corde. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. C'est monter la grande corde. Ça va pas être une partie de plaisir parce que c'est comme j'ai dit, c'est la grande corde. Donc il y a une corniche pour s'arrêter, pour se reposer. Le problème, c'est qu'il va faire sûrement froid. Donc je sais pas si on va pouvoir genre dormir sur le dans le sac de couchage, sur la corniche. Ah, il fait vraiment un temps de merde. Elle est plus loin la corde. Donc si jamais il fait trop froid sur la corniche, on va pas pouvoir se reposer. Donc à la limite, ce qu'on fera, c'est boire le café pour se remettre. Honnêtement, je vois pas grand chose.
vrai qu'il y a une brume en fait devant mes yeux. Donc ouais, on a un café. C'est ça, c'est problématique. On aurait dû prendre plus de café. Hein. On aurait dû vraiment prendre genre minimum 2, maximum 3. Parce que un seul, c'est quand même con. C'est honnêtement con, un seul. Un seul café. C'est vraiment bête. C'est pas bon. La dernière fois, on avait trouvé aussi le cache-oreille. Un nouveau cache-oreille, on l'a réparé. On le met pas pour le moment parce que j'ai pas envie qu'il se déchire si on se fait attaquer. Excusez-moi. Et on a ça aussi. Et on a trouvé un nouveau bonnet de laine. Bonnet de laine, ce bonnet en laine, on va le garder de côté parce que c'est un des meilleurs qu'on peut trouver en intrus. Donc on va le garder. On va pas le déchirer. Comme ça, ça nous en fera un de rechange si jamais... pour dormir, genre si on est sur la corniche, on mettra le bonnet en laine. J'essayerai de me rappeler de ça aussi, ça peut nous aider. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est notre faitout qu'on doit récupérer ou pas? Oui, c'est notre faitout qu'on doit récupérer. Donc ça, ça c'est 3 kilos. Ah, on va être limite, limite hein, en poids. On va être très, très limite en poids. Je regarde un peu ce qu'on peut jeter. Ça, on va le garder, ça, on va le garder. Après, je sais pas, en fait, si on va redescendre par la corde. C'est pour ça que je veux quand même garder des choses sur moi. Le charbon, peut-être qu'on va en jeter un peu. On a 3 fûts de flèche. J'ai envie peut-être de jeter un des pieds de biche. Je suis pas complètement sûr. Parce que nous, on est là. À la limite... À la limite... On pourrait laisser des choses ici. Parce qu'on va, on va partir là, et après ce qu'on va faire, on va revenir à cette grotte là, parce qu'on a beaucoup d'objets. Et à partir de cette zone là, en fait, c'est assez facile. Donc là, il y a juste une corde à prendre, puis après on va là, il y a une grotte ici pour se cacher, il y a une grotte là, il y a une grotte là. Après, il y a aussi ce camp là, il y a une grotte là apparemment aussi, où c'est qu'il y avait le cadavre, mais ça je l'ai pas vu. Donc c'est peut-être de ce côté là en fait la grotte, donc bon, c'est pas grave. Mais voilà, je pense qu'après ça devrait être facile pour retrouver notre équipement. Donc on peut laisser des objets ici, on pourrait laisser des objets ici à la limite. Des émus ou les charbons, je vois pas. Ah, ils sont dessous. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah d'attendre qu'il fasse beau, beau en fait, hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Attendre que le... que ça se lève, le soleil? J'ai pas... on a rien à faire. Ah si, on a fait, on a ça à faire. Voilà, super. On peut pas lire. On peut pas raccommoder. On pourrait faire du feu, ça servira à rien. Donc ouais, j'ai bien envie de laisser le pied de biche. J'ai bien envie. Ouais. Mouais, mouais, mouais. Bon, déjà, il fait un meilleur temps. S'il fait pas très froid, on y va maintenant. Hein. C'est pas besoin qu'il fasse soleil, mais c'est pour dire... C'est pour dire si jamais le temps s'améliore, en fait. Ah, c'est potable, hein, c'est potable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. C'est qu'on va manger.
On pourrait même faire du feu pour réchauffer un des thés pour avoir le bonus, mais bon, on va se débrouiller sans. On va se débrouiller sans. On mange comme ça augmente de 1, ça augmente notre calorie, et de 2, ça baisse le poids aussi. C'est important. Ok, je pense qu'on va y aller comme ça. Trente-sept kilos, c'est pas mal. Ok, let's go. Moins 14, ça va. Me fais pas le coup maintenant, s'il te plaît. Ah, mais c'est haut. Ouais, non, on va devoir passer par le bas. Ok, c'est parti. Après, sur la corniche. Moins 16. Ouais, ça va être chaud de se reposer sur la corniche, en fait. Ok, let's go. Ça va être super chaud de se reposer sur la corniche. Il y en a deux de corniche. Oh là 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 là. Je sais pas. Ça me paraît pas très très haut encore. Ça va. On devrait pouvoir le faire sans problème. Bah, remonte, monte, 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 monte. Je vois pas pourquoi tu... Parce qu'en fait, je suis monté trop haut et j'ai essayé de tourner la tête et elle voulait plus. Je voulais voir en fait ce qu'il y avait. Merde, chier. Ah, est-ce que tu peux... Ouais, non, c'est du bois, un bout de bois et du charbon. Ah oui, il fallait quand même aller vérifier, on sait jamais. Hein. On a bien pris le sac de couchage. Ouais. Il fallait quand même aller vérifier hein, pour être sûr. Ok, on est dans le territoire inconnu là. Ok, il y a une sorte de chemin là. Est-ce que l'hypothermie... Il faut un endroit pour nous protéger du froid. On n'a pas de bois. Oh, ça sert, ok. On n'a pas de bois, ouais, pour faire du feu, donc il nous faut un endroit. Je vois du lapin. Donc c'est bon signe. Ah, c'est les deux chutes, ça. Non?
Y a pas 36 000 deux fois chute d'eau quand même. C'est les deux chutes de la photo, je crois. Pas de grotte. Ah mon dieu, elle veut pas monter. Pas de grotte. Genre ça, c'est pas une... Tu vois pas, je vois rien. Chute des querelles. Non, y a pas de grotte. C'est un joli nom, chute des querelles. C'est parce qu'il y a deux chutes, en fait. Donc elles doivent se chamailler. Vous avez compris? Ah, lol. Ok, on a trouvé notre endroit. Donc c'est pas loin l'endroit pour la photo. Hein. Donc je pense qu'on devrait en finir cet épisode. Mais il nous faut vraiment un endroit pour nous protéger du froid. Là. Mais sinon on va mal finir. Embêtant de rien trouver comme ça. Lac du monolithe, on est dans quoi? Dans Dead Space? What? C'est un élan ça. C'est un élan. C'est pas une grotte ça? Oh là 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 là. Allez, une petite grotte, s'il vous plaît. Je regarde en fait aux chutes d'eau, parce que les chutes d'eau, y a souvent des grottes. Chute des oriflammes. Ok. Non. Alors, on va essayer de passer sur le côté gauche, sans qu'il nous voit. Faut qu'on monte. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une grotte là? Peut-être ça, là, j'ai vu ça de loin. On va voir. Ce serait vraiment bien qu'il y ait une grotte là. Non plus. Chute du vigilant. Livre de la vigilance. Si, si, il y a une grotte. Yes! Il y a un ours dedans? Non, mais il y a des morts. Ouh! Grotte du lac. Cool. Ah, cool, cool, cool. Bon, bah ça va, on est sauvé. On est sauvé. Donc, ce qu'on a vu, c'était les deux. On ira peindre après, hein, dessiner la map après. Donc, on a une fourrure, on a ça, on prend. Oh, une pierre à aiguiser. Alors ça, c'est magnifique. On a du charbon. Oh, attends. On a du charbon, on a du bois. Je pense pas que l'élan puisse rentrer. Je pense pas que l'élan puisse rentrer. C'est trop étroit. Une plume. Alors dis-moi que t'as 1,5 kg, c'est pas mal. Où est-ce qu'on peut aller quand il fait chaud?
Jusqu'à... Ouais, le cadavre, c'est la limite, en fait. Ça marche. Alors, très bien. On va tout déplacer ici. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à jeter? On a ce livre mais on peut pas le lire. Ah si, on peut le lire. Merde. Et c'est pour les carcasses. Ah oui, non, quand je vais cliquer, ils vont me dire que je peux pas le lire, je crois. Parce que nous, en carcasse, on est en max. Alors, on verra ça après. On peut faire cuire la viande de loup qui est devant nous. Mais je voudrais aller chasser, en fait. Récupérer plus de trucs. Plus d'objets à... Genre des lapins. Les lapins, ce serait bien qu'on récupère les lapins qu'on a vus. Ce serait vraiment cool. Elle est fatiguée par contre. Elle est fatiguée. Ça. Donc je sais pas trop ce qu'on peut faire. Genre dormir 2 heures. Le temps de se réchauffer et de se remettre un peu d'aplomb peut-être. 3 heures. Je pense que c'est une bonne idée. Puis après, on essaye de récupérer les lapins à droite. En esquivant le... poncho, là. Et... Ou alors, on le chasse, honnêtement. Moi, je serais pas contre. Hein. C'est pas très froid. Parce que là, du coup, au niveau viande, ouais, on n'aurait pas de problème. Et surtout, ça nous fait une peau, quoi. C'est tout ça qui est intéressant. Là, on est bien, là. Là, on est bien, là. Yeah, 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 on va le faire, on va le faire. Ok, à côté. Touché. Touché. Non. Je crois qu'il était mort. Pas touché. Touché. Ok, 3 flèches. J'ai cru qu'il était mort, c'est pour ça que j'ai arrêté de tirer. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'ils ont des animations pour blesser. Ah, on a utilisé pas mal de flèches là. On va le laisser saigner s'il est fatigué là. Je veux juste récupérer mes flèches. Ah, combien du coup? 6. Il y en a 3 sur lui. J'en ai perdu d'autres ou pas? Le mieux c'est de faire ça, comme ça il y a le point qui apparaît quand il y a un objet. Ouais non, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que le reste des flèches après elles sont sur lui. Ok, très bien. D'accord, très bien. Ok, c'est bon.
suis désolé. Est-ce qu'il nous manque des flèches? 8. Là. 9. Je crois qu'il nous manque des flèches. Il y a le vent qui se lève. Non, t'es sérieux? Faudrait que je regarde combien de flèches j'ai tiré. Non, juste maintenant, le vent qui se lève. Il faudrait du bois. Ah, s'il n'y avait pas eu le vent, on aurait fait du feu directement pour récupérer sa viande. Mais bon. Pas grave. La prochaine fois. On était assez... J'avoue que j'étais assez... Comment dire agressif. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est le bon mot. Agressif sur la façon où on l'a chassé. Mais on était en bonne... On était vraiment bien placé. Je regarde s'il n'y a pas des flèches encore qui traînent. On était vraiment très très bien placé. En hauteur, loin, pour lui c'était très très embêtant pour monter sur nous. Après on était loin, donc j'ai quand même tenté le tir. Bon, j'ai un peu d'expérience maintenant quand même, donc ça va, ça s'est bien passé. Je crois pas qu'on ait perdu de flèches, je crois qu'elles ont cassé. Je regarde. Donc ça... Et on a le lapin. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai envie de dire pas mal. Est-ce qu'on peut découper le loup en restant dans le chaud? Je crois que c'est bon. Ouais, ça marche. Ça marche. Ah, je sais qu'elle est fatiguée. Ça, elle a 7%. On va voir s'il fait pas trop froid. On va peut-être prendre genre un steak ou deux steaks. On va pouvoir camper là pendant un moment. Ah, il fait quand même un peu froid. Si on arrive à prendre au moins un steak, honnêtement, on n'aura pas trop de problèmes pour la nourriture. Et on peut à la limite un peu se reposer ici, se camper ici. Et il nous faut prendre la peau aussi. Là, on va utiliser la scie. On a deux steaks, ça nous fait plus de 1000 calories à chaque fois. Donc, très bien. On va encore en prendre deux. Ok, très bien. Et... La peau. Ouais, on va avoir froid. Ok. Ah bah voilà, très bien.
Je pense que c'est bien. Je pense qu'on a eu du bon, là. Je pense qu'on a eu du bon. Ah, apparemment, il y a un cadavre au-dessus. Ou alors, c'est peut-être le cadavre à l'intérieur de la grotte. Voilà, là, très bien. On a quoi? On a la peau et 4 steaks d'un kilo. On a tiré à répétition, par contre. Hein. On a vraiment tiré à répétition, mais ça a bien marché. Oh, j'avais pas vu le pansement. Très bien. Et on a la peau. Donc ça, on va la garder. Ça, c'est la peau importante. Voilà, très bien. Donc on a de charbon pour faire du feu longtemps. J'ai pas trop envie de le faire du feu maintenant parce qu'elle est fatiguée. Parce que les steaks, en fait, ils vont être longs à cuire. Donc à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger un peu, dormir. Parce que de toute façon, on s'en fout maintenant. On est à l'abri. Donc on s'en fout qu'on soit la nuit, le matin, midi, on s'en tape. Même s'il fait moins 3000 degrés dehors, on est dans la grotte, on risque rien. Donc j'ai envie de dormir maintenant et on se réveille dans la nuit et puis on fait le feu. Alors on a ça à cuire, les 4 steaks là, on a ça, ça et ça. Donc c'est très bien. Il n'y avait pas de lit là. À un moment j'ai cru que c'était un lit mais en fait c'était la peau du lit. Dormir 3 heures. Ah bah ça se passe bien. Encore une fois, c'est vrai que le fait d'avoir un bon tir de d'arc, genre niveau 5 là, ça nous aide énormément. Ça nous aide énormément. Parce que sinon, on aurait eu des problèmes avec le... on aurait eu quand même des... Mince. Des problèmes avec... avec l'élan. Là, c'est vrai que ça s'est bien passé. On a utilisé des flèches. Je crois que... Je sais pas si on les a perdues, les flèches. Honnêtement. J'ai l'impression qu'elles ont... Je sais pas. J'aurais dû mieux... Je prends pas l'habitude assez, en fait, de compter les flèches quand je les tire. Donc, je sais pas si on en a perdu ou pas. Je pense pas. On en a encore 9 en tout. Donc, je pense pas qu'on en a perdu... D'abord, on va faire ça. Ça va aller vite. 25 minutes, 40 minutes. Très bien. Comme ça, on va pouvoir manger direct. Voilà, très bien. Voilà. Ça, on va les mettre là. Bon, on n'a qu'à les prendre dans l'inventaire. Voilà. Tiens, en parlant de ça, j'avais vu un commentaire. Genre, c'est quoi la touche? J'ai répondu à la personne, hein, bien sûr, mais... Genre, c'est quoi la touche pour poser la viande par terre? C'est pas poser la viande par terre, c'est poser un leurre, exactement. C'est genre quand j'appuie là. Aucun leurre dans l'inventaire. Parce que la viande crue, la viande cuite, les boyaux... et les lapins peuvent être sont considérés comme leurs. C'est pour ça que ce bouton là, cette touche là est intéressante et importante. Je crois que les touches les plus utiles dans le jeu, c'est la touche pour déposer donc le leurre et sortir l'arme en fait. C'est et après ranger. Voilà. C'est oui, les 3 touches aussi ranger. Mais ça m'a fait rire. Les gens des fois prennent pas. C'est pas méchant ce que je veux dire. Attention. Mais j'ai toujours pris une habitude de regarder les menus des jeux. Parce que les gens, en fait, j'ai l'impression que des fois, la plupart du temps, ne regardent jamais les menus dans les jeux. Et... oui, ça. Et du coup, les gens passent à côté de beaucoup de choses. Genre, ils remappent pas les touches, ils regardent pas les touches dans le menu, ce qu'on peut faire dans le jeu, etc. Et ça, je trouve que c'est un gros problème, en fait, de notre époque. Donc c'est pour ça que dans tous les jeux que je fais, la plupart du temps, quand je les lance pour la première fois, même en stream, hein, je le fais, je prends toujours le temps de regarder les menus,
Et après, quand c'est sur PC, évidemment, il y a plein d'options graphiques et tout ça, mais ça aussi, je le montre, mais voilà, c'est pour dire. Mais voilà, non, il faut juste simplement regarder le menu, quoi. Enfin, le... faire pause dans les options, regarder. C'est important. C'est important de faire ça. Alors, attends. Il va nous falloir de l'eau aussi. Donc voilà, 2 heures. Et on va boire. On va sortir, on va voir s'il fait pas trop froid. S'il fait pas trop froid, on va un peu essayer de récupérer plus de bois. Donc ça c'est bien, ça sèche. On va aussi marquer la map. Ah oui, non, mais on est dans la nuit, il va pas marquer dans, sur la carte. Enfin, elle. On peut casser ça. À la limite. Ça peut être pas mal. Alors, ça nous faisait... J'avais l'impression que ça nous faisait un peu une... une sorte de barrière naturelle contre les animaux. Mais bon... je pense pas qu'on va avoir un animal qui va rentrer de toute façon. Donc, ça m'étonnerait que ça soit vraiment très très utile de la garder. De garder ces broussailles là. Ok, on va se réchauffer et on va aller récupérer encore un steak ou deux. Il faudra marquer cette... cette grotte. Et après, demain, quand il fera jour, on fera un peu plus le tour. Mais je suis content, ça se passe bien. Voilà, ça paye un peu notre talent à l'arc. On pourrait même lire. Juste attendre qu'on soit au max et que ça finisse, comme ça on change. Et on ressort. On a 33 kilos. Va falloir qu'on dorme dans la nuit, hein, quand même. Va falloir qu'on dorme. Ok. Après, ça a l'air un peu désertique, donc je suis content qu'on ait trouvé cette grotte. Peut-être là-bas il y a des trucs, genre dans la forêt. Là-bas il y a rien. Faire ça à la scie. Ouais, il fait froid là. Ok, on rentre. Ah, le temps s'est gâté. Voilà, très bien. Donc là, niveau nourriture, on est tranquille. Hein. On est tranquille. On est vraiment tranquille. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore 4 à faire. 2 minutes, c'est prêt. On pourrait lire en attendant. On va changer. On va faire ça. On va attendre ça. Hop. Hop. On va lire. Pas trop combien de temps on va faire durer le feu en fait.
Je sais pas trop. Bon, faut au moins 50 minutes. Ok. Donc là, on a ça. Ça, c'est bon. On a deux viandes. Ça nous fera 4 viandes. Et là, encore une viande faisandée. Je pense qu'on peut dormir maintenant. De toute façon, on a beaucoup d'allumettes, donc on en a trouvé, donc on n'a pas... Si on fait un excédent de feu, je veux dire, genre si on en fait plein, vraiment, je crois pas qu'on tombera un jour à court d'allumettes, genre dans cette zone-là, donc ça va. On pourra en refaire un si jamais on a besoin. Ouais, on va dormir pour récupérer le maximum de vie. Et après, on va faire le tour de cette zone. On va peut-être rester un peu dans cette zone. Donc peut-être que ça va prendre un peu plus longtemps. Ça dépend du temps, en fait. Ça dépend du temps. Si on a un temps pourri, on va mettre du temps à se balader dans la zone. Si on a un bon temps... Ouais, en plus, c'est quand même... Ça paraît... Ça a l'air d'être un peu loin. Si on a un bon temps... On ira vite, mais je suis pas sûr. Donc on va voir. On va se mettre là. Ok, on se réveille en pleine forme. Je parlais de quoi la dernière fois? Genre si on avait un bon temps, ça irait plus vite. Si on a un mauvais temps, ça serait très lent. Bah voilà. Voilà. On est à moins 27 et on est protégé du vent. On est à moins 27. Ouais, non, bah là je sais pas quoi faire. Ah oui, on a récupéré ça. Bon, le jour se lève, donc on peut lire. Si jamais, on va encore attendre un peu. On va manger ça. Bon, bah oui, je le répète encore une fois, hein, je suis content. Là, ça se passe vraiment bien. C'est juste que je voudrais bien trouver cette zone là. On a récupéré une pierre, ça c'est vraiment cool. Pierre aiguisée. Je voudrais vraiment trouver l'endroit en fait pour faire la photo et puis après on se casse. Ok, vu qu'on a une tempête, le temps devrait être pas mal bon quand même maintenant. On est à combien? 34 kilos. On va tout laisser là pour le moment, on va juste se balader et après on revient. Ah, il fait quand même très froid. Il fait quand même très froid. On va essayer de dessiner le centre. Dire que le lac du monolithe nous a sauvés. C'est marrant. Par contre ici j'ai remarqué que les chutes d'eau sont très bruyantes. Hein. Extrêmement bruyantes.
Ok. Vraiment un très très mauvais temps. Ok. Alors ce qu'on pourrait faire avec la peau de l'élan. Non, attendez. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ouais. On pourrait en faire une deuxième. Ouais, mais ça réchauffe mieux quand même, celle en peau d'ours. Ouais, non. Après, des gens vont penser genre, oui, bah du coup on aura une peau d'élan pour la réparer. Non, non, vous n'avez pas besoin de peau d'élan en fait pour la réparer. Ce que vous avez à faire en fait, c'est recycler. Vous recyclez, comme ça vous récupérez la peau d'élan. Et après vous en refaites une autre de cape et ça vous fera une cape toute neuve en fait avec la même peau. Donc on n'a pas vraiment besoin de peau d'élan. Mais j'étais en train de me dire si on pourrait faire deux capes. Mais c'est vrai quand même qu'on gagne beaucoup de température avec le loup, avec l'ours, pardon. Par contre, l'ours, si on veut recycler, pour créer la peau d'ours, je crois qu'il en faut deux de peau. Ouais, il nous faut deux fourrures d'ours. Mais pour l'élan, il nous en faut qu'une. Donc on n'a pas besoin d'en trouver une autre, en fait, pour la réparer. À la limite, on pourrait avoir deux manteaux en peau d'ours. Je vais voir si on peut... genre enlever... Ouais. Ouais, on pourrait avoir deux manteaux en peau d'ours. C'est 6. Ce que j'aime bien avec le... avec l'élan, c'est la protection, 25. C'est un peu moins lourd aussi. Et après... l'étanchéité, on gagne 10%. Et c'est surtout en fait le sprint, c'est que moins 10, alors que là c'est moins 20. Mais bon, je sais pas. Ouais, honnêtement je sais pas trop si ça vaut le coup. Deux peaux d'ours, pardon, pas deux peaux, deux vêtements en ours. Ou alors on reste comme ça. Peut-être deux vêtements en ours, c'est peut-être le mieux hein, honnêtement. Genre on augmente le plus possible les degrés en fait. Je suis en train de réfléchir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous feriez vous. J'imagine qu'en théorie, alors oui c'est vrai qu'on va avoir genre moins 60% de sprint. On va avoir à peine 40%. La protection elle va un peu descendre comme j'ai dit. On va perdre 5, 6, 7, on va perdre 7%. Et on va gagner 2,5 en degrés. Parce que c'est 6 et là c'est 3,5. Là c'est 3,5, là c'est 6. Donc on gagnerait 2 degrés de chaleur. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'imagine. On va lire. Voilà, elle s'est réchauffée.
J'ai l'impression en fait de beaucoup perdre pour 2 degrés de chaleur. C'est ça mon problème. Genre, est-ce que ça va vraiment nous aider, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va vraiment nous changer la vie? Qu'est-ce qu'on fait? On prend encore un peu de viande? Non, on va aller prendre du bois. On va aller voir là-bas. Alors, vu qu'on se balade... J'ai pas envie de l'abîmer. J'ai pas envie de le casser. Ça a l'air joli. Ah, j'ai pas dessiné à l'endroit de la planque, j'ai oublié. Je peux pas tomber nez à nez avec un loup ou un truc. On peut descendre par là apparemment. Ah, ça va, on peut remonter. On est où exactement? J'essaye un peu de comprendre où on est en fait. On va avoir froid. Il y a combien de massettes? 15, c'est bon. On va voir ce qu'il y a là. Non, c'est juste un raccourci. Des fois qu'il y a genre un cadavre ou je sais pas, quelque chose. Là on a le pont, là c'est d'où on vient. Ça c'est les deux chutes d'eau. Faut qu'on regarde la pellicule. Moi je dirais que c'est là. Je dirais que c'est là. D'où le mec a pris la photo. Ouais, moi je dirais là-bas. Je sais qu'on a froid, mais on va aller se réchauffer. Se lève en plus. Voilà, on a un peu quadrillé un peu plus le périmètre, on a récupéré du bois. C'est où notre... C'est pas là, c'est là-bas, je crois. Ouais, c'est là-bas. On a quadrillé un peu plus le périmètre, on a récupéré un peu de bois. Donc ça va. On est quand même loin de rentrer. Hein. On est en termes de terrain, je veux dire. On est quand même assez loin. Ça va nous prendre un petit moment. J'étais en train de réfléchir à ça aussi.
On est quand même assez loin. Très bien. Oui. Matériaux. Très bien. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ben, je crois que ça va mettre fin un peu à notre épisode. Il est midi, elle est pas très fatiguée, mais on n'a pas grand-chose à faire. Ah oui, on va faire ça. Tant, ça nous réchauffera aussi. Ok, très bien. Est-ce qu'on a un temps pourri ou pas? Ouais, ça fait froid quand même. Pour aller récupérer un peu de viande en plus, je dirais. Enfin, est-ce que ça nous sert vraiment de récupérer de la viande en plus, en fait? Pas vraiment. Pas vraiment des masses en fait. Je sais pas quoi faire. Ah oui, on avait dit qu'on allait essayer de comprendre la pellicule. Donc nous on est allé jusque là. Donc ça c'est la descente. Alors on va essayer d'analyser la carte, ok. Donc ça c'est la descente avec l'eau. Donc ça c'est la descente avec l'eau. Où on est. Où à un moment j'ai remonté sur un tronc d'arbre, sur un arbre qui était penché et tout ça. Donc ça c'est pas par là, donc il faut continuer genre par là pour trouver cet emplacement. Alors faudrait voir genre comme ça, ou faudrait voir ce périmètre là en fait, faut aller voir ce périmètre là où il y a l'élan qui est mort. J'ai vu qu'à un moment ça montait là, où il y avait des champignons, donc peut-être que ça fait genre tout un tour, ou alors plutôt vers là, ça c'est la forêt. Ça c'est la forêt qu'on a vue. Mais en tout cas, la photo elle est bien. Elle est bien par là. Ça c'est les deux chutes d'eau. Donc je suis quasiment sûr que. Ouais, on est proche quoi. Parce que le mec est en train de regarder vers là, je crois. Non, elles sont où les chutes d'eau? Je me rappelle même plus où elles sont les chutes d'eau. Oh merde. Genre là, comme ça? on peut pas être dans un avion. Ça irait plus vite. Enfin bref, de toute façon, je pense que il faut qu'on voit là. C'est ici. On se rapproche. Je suis sûr à 100% qu'on se rapproche. Ça oui. Ça je suis sûr. Je suis sûr qu'on se rapproche. Donc la prochaine fois, donc on va dormir. On va voir combien de. Qu'est-ce qu'il va faire dans la nuit, est-ce qu'il va faire un bon temps ou pas. On a de la grosse viande. Alors, dans la nuit, on partira d'ici. Si on part vraiment pour partir, et on va faire la photo, on va devoir tout prendre avec nous. Donc ça pèse combien? Ça pèse 5 kilos. Ça, c'est un problème, par contre. Ça fait 5, ça fait 3 avec ça. On va être lourd. On va être lourd. Il va falloir qu'on dépose des choses qu'on n'a pas besoin. On va être un peu plus de 40 kilos, en fait, pendant un petit moment, je pense. Mais après, ça va s'améliorer. Donc ça va être un problème en fait si on doit prendre des cordes à chaque fois. Si on doit tout le temps prendre des cordes, ça va être la merde. Donc j'espère que...
J'espère qu'on n'aura pas besoin de faire ça. Il y a des chaussettes à détruire, je crois. Hein. Genre chaussettes en laine, chaussettes de sport. Ah, c'est comme si on avait quasiment rien de chaussettes de sport, en fait. Attends, c'est les bonnes que je suis. Sur le moment, j'ai cru que j'étais en train de déchirer les chaussettes en laine. Ok, ça on le garde, on a dit. Bon, elle a chaud. On va peut-être récupérer encore un petit morceau de viande. Ah, il fait pas froid. Moins 7. Ah, ben, on va... Je voulais mettre fin à dormir, mais... On va pas dormir maintenant. Donc on a dit là ou là. On va aller dessiner. On va aller dessiner. Parce que là j'ai vu que ça montait avec les champignons. Donc on va voir. On va arrêter de prendre des champignons par contre. S'il y en a partout de ces trucs. Donc quand on reviendra on prendra du bois. Il y en a vraiment partout. Ça donne envie de les récupérer. Hein. Ça donne vraiment envie de les récupérer. Ok, là c'est un peu plus calme. Ça me fait un peu du bien aux oreilles. Parce que depuis ça fait une heure que je le bruit de la chute d'eau là tout le temps dans les oreilles. Ça fait mal. Ah, ça va mieux, là, ça va mieux. On va continuer un peu pour dessiner. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête le bruit. Oh la vache. Ok. Grotte. Ok, ok, grotte, grotte, bien, bien, bien. Donc, si on monte, on peut se protéger ici. Intéressant. I'll take it. On va prendre ça. Je sais pas si on le laisse là ou pas. Wow! Ah, ça c'est parce qu'on est vachement en hauteur en fait. Ah, on est juste à côté. On a combien de kilos? 35, très bien. Très très bien! Bah du coup on va peut-être trouver l'endroit maintenant. Sur la map ça a l'air d'être là en fait. Genre là, là. Il y a un cadavre. Ah peut-être au cadavre. Je crois qu'on l'a trouvé. Ok, il n'y a rien d'autre. Il y a du bois par contre. Normalement ça nous le dit. Genre c'est pas là. Ouais non c'est un peu plus loin j'imagine. On peut remonter ouais. Elles sont où les... Ouais, non, c'est pas ça. Je sais pas. Ah, ok, le cadavre est... Ok, c'est le mauvais sens. On a une très belle vue, par contre. Très, très belle vue. Mais c'est le mauvais sens. Il y a combien ? 36 kilos.
Qu'est-ce qu'on fait? On laisse du bois là ou pas? On va peut-être laisser les petits bois ici si jamais on doit se... héberger là dans, dans cette grotte là. On aura du bois tout autour. Et il y a ça aussi à détruire, les petits bois devant. Donc ça va. Mais on va garder les gros bois avec nous. Pour notre grotte principale en bas là. Quoi qu'on pourrait bouger ici? Oh là là, c'est embêtant, il y a plein de trucs à faire. Donc en théorie, ce serait plutôt là. Genre là. Ah, peut-être. Oh mon dieu, c'est un peu haut. C'est un tout petit peu haut. Non, là c'est de ce côté-là. Bon, allez, on va rentrer. Je suis un peu perdu. Donc c'est pas de ce côté... Oh là là. Quand est-ce qu'on aura une boussole, s'il vous plaît? Donc si c'est pas là, c'est pas là. Donc c'est là-bas. Ah, je sais pas. Je sais, j'avais dit que j'arrêtais de prendre des champignons. Il va falloir encore analyser la map, j'ai du mal à me repérer. J'ai du mal à me repérer. Je crois qu'on est un peu en cul-de-sac en fait en hauteur, donc il va falloir trouver un autre moyen d'y accéder. C'est peut-être plus bas, c'est pas aussi haut que ça, c'est à notre niveau en fait, je pense. Mais par où passer? Alors là, je sais pas du tout. Là, je vois pas du tout par où passer. C'est embêtant. Après, on... Je pourrais faire des marquages hein, sur la map avec la bombe. Je pense que je vais faire ça. Je pense qu'on va utiliser des marquages sur la map. Avec la bombe. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se réchauffer là-haut. Si jamais on a besoin. Parce qu'il y a plein de... Il y a une grotte et tout ça. Voilà. Et on a... Voilà, très bien. Deux morceaux. On a encore de l'eau. Bon, bah, l'épisode est un peu plus long que d'habitude. Qu'est-ce que je fais faire? Elle est pas très fatiguée. Je pense qu'on va lire le temps de passer le temps. Ah oui, non, on peut faire ça. Pour ça que je les prends, parce que ça aide quand même à faire passer le temps. C'est utile. Voilà. Ça, je suis d'accord. On est d'accord qu'on peut pas le lire. Ouais, on peut pas le lire. On est trop haut niveau. Ça, c'est mort. On va le recycler. Ah, très bien. Est-ce qu'on va coudre? On peut coudre. Voilà. J'avais dit qu'on devrait garder du tissu un peu de côté, mais... Je faillis à ce que je dis. On a quoi? On a encore 3 tissus. Ah, ça suffit. Ça, on va encore la garder, la flèche. Bon, je pense que c'était un très bon épisode. On a beaucoup avancé, on a récupéré pas mal de choses.
Mais il va falloir qu'on marque la map un peu mieux, parce que là, on est pas très loin, mais on est en même temps très loin, j'ai l'impression. Donc ce qu'on peut faire la prochaine fois, c'est aller à la grotte. Et après, de la grotte... Parce que là, c'est le cadavre, ouais. De la grotte, on essaye de trouver ce passage-là, en fait. Mais encore une fois, je sais pas si ça, c'est pas en contrebas par rapport à la grotte, donc du coup... Du coup, ça va être embêtant. C'est quoi ça? C'est la grotte du pic. C'est ça qui est écrit? Grotte du pic. Lac du monolithe. Chute de la vigilance. Grotte du lac. Ça, c'est du pic. Ouais. On fera un marquage. On essaiera de trouver de mettre des marqueurs avec, comme avec la bombe. Voir si ça passe. Pour mieux se retrouver. On va lire et après on va dormir le plus possible. Hey, une fois que ça sera fini le livre, on va prendre pas mal de niveaux. Hein. Ça nous servira strictement à rien, mais ça va être cool. Ça va être cool. Dans tous les cas, c'est l'heure de dormir. Il va nous falloir de l'eau et faire à manger, je pense, la prochaine fois, avant de partir. En tout cas, bonne nuit à tous. Ciao, ciao.